Au dernier jour de l'année 2016, la révolution des bougies continue d'illuminer les rues de Séoul. Park Geun-hye Aya, Park Geun-hye démission. Pour la 10e semaine consécutive, les Sud-Coréens sont descendus en masse ce samedi pour réclamer le départ de leur présidente, excédée par le scandale de corruption qui éclabousse la chef de l'État. Ce manifestant explique qu'il est là parce que beaucoup de mauvaises choses se sont produites cette année. Il espère que le mouvement donnera l'opportunité à la Corée d'être plus raisonnable et que la situation va se clarifier rapidement. Sous l'influence de sa confidente, Park Geun-hye est accusé d'avoir violé la constitution, de complicité de corruption et d'abus de pouvoir. Elle refuse de partir, mais en pratique, elle n'est déjà plus aux affaires. Ses pouvoirs ont été transférés provisoirement au Premier ministre, en attendant que la Cour constitutionnelle ne statue définitivement sur sa destitution.